on continue dans les lumières. Salam alaikum. Hey, coucou tout le monde. Hna, ça fait longtemps. Touhchnakoum. Très longtemps. Wallah, ila kanhmaqou alaykoum ala dak les commentaires li kadirou lna. C'est très gentil. Chouf. انا كنقول هاد الميساج هذا تحيه لكم عواش راكم مبروكه ان شاء الله باش كتمنوا الصحه والسلامه اللي كتمنى شي حاجه الله يعطيها لها ولا شي واحد كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه شي واحد كيتمنى شي ميزون الله يسهل عليه شي واحد كيتمنى شي حاجه في قلبه الله يفاجئها عليه امين وانا هاد الدعوه اللي كنعطيهم كنعطيو لخوتنا اللي كيبغيونا وحبابنا اللي كيبغيونا هما اللي ما كيبغيناش حتى هو كنصدقوه عليا باتسوس على لا لا بلا كدير البلان كنعمروا لها مسكينه تاكل تبارك الله 100 euros. 100 balles. Ça y est, nous venons de franchir le cap. Nous sommes arrivés en Espagne. Nous avons passé la frontière à l'instant. Donc nous avons mis... Là, il est 3h moins le quart. On est parti à 22h. On a mis... Ça fait 5h. On a mis 5h. Voilà, donc là, nous sommes à la Jonquera. Ça va, monsieur Tariq? Ça va. Ça va, ça va. Pas trop fatigué? Non, ça va. Bon, tranquille. J'ai bien dormi à la maison. Moi, j'aime bien conduire la nuit, tu vois. T'aimes bien conduire la nuit? Ouh, je t'ai mis beaucoup de lumière, là. Alors, moi, j'aime pas conduire la nuit. Et moi, je conduis la journée et lui, il conduit la nuit. Mais j'arrive pas à dormir pour l'instant parce qu'on a bu un café tous les deux. Bien sûr, caf-caf oblige. Nous sommes arrivés à une station, je ne sais pas où on est exactement. On va prendre le petit déjeuner. Il est actuellement 6h48. Ça va mon amour? En fait, on vient comme d'habitude, mais ça a changé. Ça a changé? Donc là, on va prendre le petit déjeuner dans une petite station. Zoom pas. Alors, du coup... Nous avons un petit caf-caf ici, un caf-caf ici. Je vais bien me réveiller, mon amour. Je sais même pas où on est. Franchement, je sais pas où on est. Je sais qu'il s'est arrêté vers 3h du matin. On n'a pas dormi jusqu'à 3h du matin, enfin perso. Et après. Après, moi je me suis endormie. Tariq s'est arrêté. Qui t'a arrêté? Ah. En fait, il y a une voiture rouge, on change de sujet. Il y a une voiture rouge qui s'est arrêtée devant lui en plein milieu de l'autoroute et qui se freinait. Et qui freinait devant lui. Donc, moi, c'est ce qui m'a réveillée d'ailleurs. Voilà. En plus, il n'y a personne sur la route. Elle est seule. Il hein. n'y a personne devant. Et la vénère devant moi, il freine. Il freine, moi j'ai fait far côte, tu vois, pour vider la route. Ouais. Il a encore freiné en fait. Ouais. 120, j'ai arrêté presque jusqu'à 65. 65 km/h? Bah oui. 65 km/h. Après j'ai vu le phare, j'ai klaxonné. Et après il y a un grand camion, il a klaxonné pour elle aussi. Après il a passé à droite, il fait comme ça. Moi je pense qu'il fait exprès. Bah oui, mais il fait exprès parce qu'il est de volant. Hein. Tu veux pas arrêter sur la route en fait. Ah, tu ne veux pas freiner comme ça sur la route en plein milieu de la route. Pas, bah oui. Là, il freinait les gens exprès. Ouais, il pense que ça fait partie d'une bande de personnes qui essayent de braquer les voitures l'été, quoi. Voilà. Nesle Rebrewijou le bled et faire attention. Soit les voitures Seat, soit les voitures en Ford. Les Seat neufs. C'est 2023 ou 2022, les voitures elles sont nouveaux. Faire très très attention parce que il voir sur la route, il freine et faire n'importe quoi pour vous arrêter, tu vois. Tu imagines, il y a plus derrière. Ouais, par contre, je suis d'orange, t'as pas pris le d'orange, mais ça ne faut un verre. Ah oui, je veux. J'ai dit à Thermomix.
Il y a du vent. Ah ouais, il fait tellement froid que... Ouh. Oh là là. Là, c'est... Tenez les filles, la couverture. J'ai dû jeter. Attends, je vais jeter des trucs. Alors, à chaque arrêt, il faut jeter des trucs dans la voiture. Attends, je vais jeter. Les deux, je suis là pour vous l'aider. Allez, okay. Allez, un coup de nettoyage tout de suite. Du coup de nettoyage express. Moi, j'ai pas fini la classe. Allez, je vais. Qu'est-ce qu'il y a dit? Eh, mes lunettes. Ah, t'es propre, Martine. Ah non. T'es maniaque. D'arore. Mes lunettes. Tu m'as trop fait mes lunettes. Cindy, il est là. Je t'ai dit la vérité. Bah, en fait. Rhas. Bah, il a HM. Et c'est Meissen qui les a achetés. C'est à Meissen, en fait, normalement, ses lunettes. Ouh, je mets ma main et je trouve des dessins d'Inès. Allez, c'est parti. Direction Almeria. Let's go. Tariq a décidé de partir. Ouah, je te donne ton dessin. Oui, c'est pour ça que je l'ai gardé. Tariq a décidé, peut-être qu'il va changer d'avis, hein, je sais pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Quelle destination nous avons pris? Almeria or Al-Khoziret. Almeria. C'est qui a pas mis la ceinture? Meissen. Moi. Ah, c'est Meissen. Sit. Ma n'a pas de sit. Waouh. Tout le monde est attaché. Donc, Tariq. Maintenant qu'on a bien pris le petit déjeuner, on a dormi un petit peu. On est où déjà là? 16 km. On est à Tarragona. On est à Tarragona. Et maman, leur langue, ils font comme ça. On est à Tarragona. Et du coup, direction Almeria. Donc là, il nous reste actuellement 676 km. Donc une estimation d'arrivée à 14h, mais bien sûr on va faire des pauses entre temps, il y aura la pause déjeuner aussi également. Donc voilà. Et tu m'as dit un truc tout à l'heure, Gobelette, tout à l'heure le café. Tu m'as dit les Belgiques, Sahab Belgique, ils l'ont tué de rire sur la route. Ah, ils tabassent la route. Quelqu'un, il y a que le goudron, il a dit mange le goudron. Franchement, je te dis la vérité. Ouais. الناس ديال بلجيك تحية لكم من لهنا. فوشمو ما شاء الله عليكم. كتبان لكم داك 3000 كيلومتر خيخ وما كاين غير موج القدرون تبارك الله. انتما جايين سينيك؟ عجبني واحد مول سينيك دو داك لا فوتور تكون واقيلا شي 1998-1999 اقسم بالله ما شديتها. Il a sous-estimé. Une scénic 2, 1998-1999. Voilà, il a sous-estimé. Voilà. Franchement, wallah, j'ai pas attrapé. Je suis 160. T'étais à 160. Moi, je suis à 160. Au dessus des bâches de banane. Elle est passée à côté du comme une mouche. Voilà. Après, tu as dit 50 km. Tu as dit que 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 tu فتهم دوبلتهم واحد عاوتاني واحد شويه وشويه كنلقى عاوتاني دايز قال لك دابا والله لا شديتيني لي زادوبلي الا دوبلي ما شاء الله. تحيه لكم وفوشمون الله يحفظكم ربي في الطريق امين. فوشمون تبارك الله عجبتيني يا خويا يا مول السينيك. انا وقيلا الا شديتك في الطريق غنضربك شي تصويره. اصحاب بلجيك ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ceux qui viennent de Belgique jusqu'au Maroc ils ont l'habitude. La Hollande aussi. Voilà, donc pour eux, Taïbin. Taïbin, ma chère Taïbin, c'est l'or. Machallah, c'est ça, Belgique. Ma qui est chouette qui est roulé mieux à Charamirajani. Barkallah. Ma qui est là, la fête. Bon, franchement, je suis content de ta voiture, Nabila. Franchement, merci, je suis là, auto. Ah, franchement, quand la domodilité. Non, franchement, le confort. C'est un Gambri. Le confort d'un véhicule, le confort d'un véhicule, c'est quelque chose. Non, le confort d'un véhicule, ah bah ça se paye. C'est important. Donc j'ai bien travaillé. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi. Franchement, la voiture. Quand le confortable, la route. Ouais. C'est rien à voir avec la voiture ancienne. Bah oui. Mais la route, t'as 160 comme t'as parti 120-110. Ouais.
Oui. C'est vrai que quand tu prends de la vitesse, si tu prends de la vitesse 160, ouais. Quand après avec la voiture normale 120, avec la voiture normale, comme dit les voitures de 2006-2008, tu prends la route à 130, 4 gradim jet. Ah, gradim jet. Ah, oui, c'est vrai. Sur les anciennes voitures, sur les anciens véhicules, quand tu roules à 130-140, t'as l'impression de rouler hyper vite, ouais. Alors que là, t'es à limite 150 et t'as l'impression de rouler à 130 km/h. Regarde là, si je suis 140, normal. T'as là, 140, t'as... on dirait on est à 110 voilà, là. Voilà, tu vois. Ah bah oui. Mais allez, neige. On est qu'est-ce qu'on a dit pour la voiture ? Non confortable. Vas-y, tu fais la dôme diable. Non confortable. Non confortable. Vas-y, tu fais la dôme diable. Ah bah oui. La dôme diable. كان بقولوا إحنا المونتيسور ما بين زو إلى كويس ما تلقى لا سانسول ديال الدار كيتلاقى وكيوليو خوت داك 200 كيلومتر فيت ما مير فيت ما مير فيت ما مير فيت ما مير مي كنقول الناس اللي كيجيو على الاسبان فيت اتونسيون في اتونسيون فرانشمون يا ترو دو فواتور كيتبعك من اللور كتلقى تابعك 100 كيلومتر وكيبقى يدوبل كيشوف فيك يقول لك شي حاجه شي واحد شي حاجه ما تسمعلوش ما تديهاش فيه en fait en Espagne il y a beaucoup de braquage trop sur les autoroutes sur les aires de repos surtout en période de vacances الناس اللي كيبغيو يسافروا بالليل يبخون la France بالليل في الفرونتيير de l'Espagne donc 6h 5h du matin et trace l'Espagne في la journée il est tranquille la nuit faire très très attention là c'est trop de voleurs, trop de. Oh là là, il a juste fait 120. Il n'y a personne devant elle. Il m'a freiné devant moi jusqu'à 60 km/h. J'ai ouais, elle a freiné jusqu'à. Et après, 60. J'ai klaxonné. Il y a un camion derrière moi, il klaxonne. J'ai fait coup de phare. D'ailleurs, vous m'avez réveillé. Voilà, après, elle est partie à droite. Et je sais pas, parce qu'elle était là à Gazamé exprès. Ouais, genre, je l'ai entendu, je l'ai voilà. Vu, elle a fait ça. Elle a fait ça, elle a fait. Je sais pas. Et j'ai rien fait. Là, personne devant elle. Pourquoi je freine, je sais pas. Ça veut dire c'est un voleur. Voilà. On va se détendre, tout va bien. Voilà, tout va bien, Inch'Allah. On a. Todo bene. Va bene. La meta. Marmeta. Tetetta. Fortota. Mahmouta. Apopota. Anamredetta. Dahretta, cassetta. Écoute, confortable. Non, mlehta. Mlehta. Mlehta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Vem porvecta. A porverk. عيني وكطيح الزرزور من فوق السور ومنين انا يا وين انساه يا وين يا وين حوز الغريب بابا 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 ترحم انا وليدي الله الله يا الله مولانا تشفع انا وليدي الله الله يا الله مولانا تشفع انا وليدي الله 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 مولانا ترحم انا وليدي ايوه 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 دن 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 Bravo les filles.
قبل البحر لا يرحم انا وليدي انا بعتام قبل الموج لا تعوج انا وليدي ايوه الله 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 لا 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 انا وليدي او ما دي الاوركست واعره بلاي ليست ما تعاونوهاش وما تضربيهاش وما تقديهاش C'est comme ça, on marche comme ça. انا عمري ما كنت بغي الله ايوه يلا كن اجمل هواء بيبي والله درتي واحد اللعبه ديال جيت لي ما درتش بحالها درتي نور والله العظيم جيت لي عندي انا في الدار ما فيش حاجه فيك كده اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان بص 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 Nabila, 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 Nabila. Arrête de boire le café. On le reconnaît tous celui-là. Hein? Là, il est parti pour prendre les billets. Donc à Viajes Oro Verde, une agence viajesiana. Alors du coup finalement on n'a pas pris le billet là-bas. Parce qu'on nous a conseillé de venir directement ici. Ah oui mon amour. On peut prendre celle-là. On nous a conseillé de venir directement ici pour que tu aies le billet. Ouais. Voilà. Sinon on a trouvé 5 heures. À 21h. Moi celui qu'on veut c'est 4h30. Si t'arrives à le trouver moins cher que là-bas, nous ça nous va. C'est 600 euros presque. Ouais, avec la chambre 550. Sachant qu'on a déjà déboursé 250 euros sur la route. Ouais, pour la clim. Tiens, carte grise et tout. Allez. Carte grise, elle est là dans ta main. 270 euros. Le matin. Ouais, mais nous, ce matin, on est tout. Ouais. Le matin, ça veut dire qu'il aurait fallu partir plus tôt. Le matin, moins cher. Pourquoi le soir? Le soir, c'est plus cher. Là, le matin, c'est tout. Gâtez, je sais pas pourquoi. Donc là, t'as payé combien? 429. 429 deux enfants. Deux enfants, deux adultes et la voiture. Voilà, et la voiture, ça fait 5 total. Et 429 euros, Armas Nador. Non, c'est le bateau, il s'appelle Armas. Armas, oui. Ah, le bateau, ça s'appelle Armas, ouais. Oui. Almeria Nador. Almeria Nador. Alors que Al Jazeera, j'ai regardé moi les billets, et là-bas, c'est 280 euros la traversée.
Deux adultes, deux enfants. Ça fait 280 euros. Ouais. Ça fait 100 euros de plus, ou là 120 euros. Franchement, il y en a 4 heures. Le bateau qui dure 4 heures, dit l'Almérien. Mais tu dois rajouter 3 heures et 4 heures de route. Voilà. Soit tu vas rajouter 4 heures de route pour partir à Almérie, Al-Jaziras, ou tu vas gagner le temps de le bateau 30 minutes. Ou Diwana dire Tanger, c'est difficile. Ils sont compliqués. Ou Khama Kilkaw and Kualo, tu es un chouk et un bouc. Ou Hna Yaraya, Nermoka, Nesta. كل شيء خاوي الحمد لله خدينا غير لي باليز ما دير سي بلو رابيد ديوانا ديرهم بلو رابيد وكيطبعوا لك دغيا وكيخرجوك بقى انت في طنجه غير باش دونك لا مورال غير باش ضرب ديميتور باش تخرج من طنجه من البوخ حسك نهار نو سيري لا مورال دو كو با نو بارابور ا نو فيس سي بوكو بلو بري دو بروندر نادور فوالا Nador Fès. J'ai 250 km. À peu près 250-300 km. Alors que si tu vas à Tanger, c'est 400-450 km. C'est 400-450 km. Bon, c'est pas comme si vous êtes à Taza, Mkines, Fès, Oujda, Ifren, Azra, Nador, 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 Voilà, donc là, le bateau, il est à quelle heure? Elle est 5h, il est 17h et 21h. Voilà, donc de 17h à donc 17h, 18h, 19h, 21h, donc il fait 4 heures de traversée. 4 heures de traversée, on n'a pas pris de cabine parce que ça ne valait pas le coup pour 4 heures. Moi je voulais prendre le bateau de 6h30 et là à ce moment-là j'aurais pris une cabine, mais du coup Tariq il a préféré prendre celui de 4 heures. Non, Balerier, j'aime pas. Parce que moi je m'en fous complètement. Moi la dernière fois on a parti à Albéria et on n'a pas trouvé la place. Et... Voilà. Oui, oui. Puis dans le fauteuil, les واحد qui était قطفات فوق, qui chut deux trois places. Ouais, drôle ça. La vérité. C'était oui, on a trouvé la place. Non, on a pas trouvé. Non. Qui n'est les fauteuils, واحد بحال ما يشد ان بلاص كيشد quatre places qui était قطفات فوق ليه. Oui, oui, tu calques مع راسك واحمق انت. Et maman, il y avait deux places, il y a une personne qui s'allongeait à deux places. Bah oui. C'est ça. Voilà. Donc voilà, donc là, comment vous dire que bah on est c'est bon, on est garé là, vous savez. On attend notre tour pour monter dans le bateau. Voilà. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Là, il y en a deux, trois devant. Derrière, il n'y a personne. Comme vous pouvez voir derrière, là, regardez, il n'y a personne. Là-bas, regardez, ils sont vides. Là-bas, c'est vide. Là-bas, ça franchement, commence à c'est facile. Le billet ne manque pas 10-15 minutes. Tu as le billet direct. Ouais, ça a été rapide pour toi. Là, c'est rapide. J'ai rentré plus rapide. Et... Donc voilà, allez, on va essayer de se reposer le temps qu'on débarque et on vous reprend tout à l'heure. Je regarde. La voiture elle est là. Vous voyez, il n'y a pas encore tout le monde qui est arrivé. Donc voilà. Il y a ma belle-sœur qui lui dit ouais, Finchetta, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Il lui dit rien, on est posé dans le balcon avec les enfants, tranquille. On leur a pas dit qu'on était sur la route. Là, tu fais quoi? Je remplis le waqad diwana. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a lui? Il a craché. C'est là, notre nouveau délire là. Là, là c'est un nouveau mot. Ouais, c'est le nouveau délire. On s'est lavé et on s'est changé. On est propre, on sent bon, on est au max du max. On est claqué. Ouais, grave. Du coup, là, il nous reste 2 heures de bateau. 2 heures. Ouais, 2 heures. Et on arrive au port de Nador. Donc, on a Tabba, le passeport.
Donc on a tamponné le passeport, on a récupéré la carte d'entrée du véhicule, avant anciennement appelée carte verte. Donc voilà. Écoutez. Voilà. Ouais, parce que la voiture. Je suis timide, genre, quand il y a des gens qui passent, j'ai honte. Alors qu'il y a des milliers de gens qui me regardent. Il y a une personne qui passe, qui me voit en train de filmer, j'ai honte. Je sais pas pourquoi. Fois... Je crois que je vais aller me prendre un café à la cafétéria là. Et moi je crois que je vais prendre un café. J'ai plus trop de batterie. J'ai réussi à me coiffer comme je pouvais, hein, avec les moyens du bord. Pourtant j'étais bien équipée. Enfin bon, c'est pas grave. C'est les voyages, c'est comme ça. On peut pas être en bombe. Hein. Déjà je trouve que c'est pas mal là. Hein, voyage c'est voyage. Allez, à tout. Bon, ça y est les amis. Nous nous apprêtons à descendre du bateau. Après 5 heures passées dans ce bateau, on attend qu'ils ouvrent leurs portes et nous allons débarquer. Ça se dit comme ça, débarquer. On a embarqué et on va débarquer. Voilà, voilà. Nous sommes à Nador, au Maroc. Allah, chim, le Maghreb, chim. Ça j'aime bien ça. Aïe. Et maintenant direction Ferradine demain. Fès. Inch'Allah, direction Fès. Oh là, il a tombé le thermomètre sur le flet. Le policier nous a dit le thermomix. Wallah ila dkhlt thermomix sal mghrib dial thermomix. Wallah ila tal bolis quand il dit le thermomix. Ya Allah. Tal ma kanouch kiعرفو غيعرفو دابا. زعما شي وحده من الناظر كيدخلوا بالطاجه داك الشكا كيدخلوا من الناظر يعرفوه. Peut-être غير دابا نسولهم. Bon voilà les amis, ça fait plaisir de voir notre beau pays. C'est parti, let's go. Allez, je vous filme un peu Nador. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment quand je filme comme ça les rues du Maroc. Donc là, moi, je connais pas Nador, donc je peux pas vous dire où je suis, d'accord. Mais ceux qui savent, ils vont reconnaître. Taxi. Oh, on n'a pas vu un taxi bleu tout à l'heure? Donc là, nous arrivons à 1h40. Voilà, je sais pas où je suis les amis, mais je vous montre. C'est la guérilla sur la route. La guérilla. Regardez ça, je ne connais pas. C'est un parc. C'est un parc. Il y a un jamais à côté. C'est joli, hein. Ah oui maman, en fait c'est un parc et là-bas il y a des voitures et tu conduis. Ouais. Là il y a une banque BMCE. Ce qu'il a acheté, le premier truc qu'il a acheté. Raïwe Jamila. Il a fait sa première gorgée, il a fait. Oh, oh magnifique. Oh! هذا الرايبي فريمون ملي كتشري بلاصتو سي فريمون رايبي جميله جميله ولكن ملي كيضرب الطريق باش يمشي لاوروبا باش يشري من فرنسا بدو يولي كريمه مابقاش جميله لا مابقاش جميله اشهد ان لا اله الا الله. Je vous épargne ma tête. Ça y est, on est arrivé à la maison. I'm back to home. Waouh, la chaleur internationale qui fait là. Mon Dieu. J'avais pas vu ma tête. Eh bien, écoutez, ils ont tout déchargé. Mon Dieu, la tête. Ils ont tout déchargé, c'est tout là. Je vais ouvrir toutes les fenêtres parce qu'il fait chaud là chez moi. Oh, je suis contente d'arriver chez moi.
Je suis... I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm back home. Oh, il y a une araignée là. Bon, bah écoutez, Sophia et ma belle-sœur sont en train de préparer le dîner. Il est quelle heure, Haga ? C'est 1h35 du matin. Je sais pas si je clôture le vlog maintenant ou demain. Mais ma tête, mon Dieu, vous allez me voir transformer là dans les jours à venir. Ça va être incroyable. Dès que j'arrive au Maroc, je me transforme. Bref, je vous dis à plus tard. Ça y est, on se retrouve le lendemain. Je suis en mode Conchita. Je me suis réveillée tôt parce que Inès m'a réveillée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai direct enchaîné. J'ai rangé toutes les valises, j'ai rangé toutes mes affaires. Tout est rangé correctement. Il y avait beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière. Ouais. Tout est rangé parfaitement. Il y avait beaucoup, énormément de poussière. Et du coup, j'ai dépoussiéré. Regardez, je suis en train de ranger avec Sophia. J'ai lancé une machine. Ma belle-sœur, elle a fait les sanitaires. Moi, j'ai balayé. Et ma belle-sœur est en train de faire la serpillière. Parce que moi, du coup... J'aime bien passer la serpillière, mais eux ils mettent de l'eau. Oula, il y a un contre-jour là. Voilà. Eux ils mettent pour qu'on enlève bien la poussière, on jette de l'eau par terre et on racle avec la raclette. Sauf que moi du coup ça m'énerve, j'ai pas la patience. Moi ce que je fais c'est que je passe aspirateur serpillière, ça suffit. Et voilà, donc elles sont montées m'aider, j'ai fait tous les contours de fenêtres avec de la javel, on a frotté le toilette. Enfin bref, on a fait le ménage total. D'habitude j'appelle des femmes de ménage, mais là vu que c'est. En période de l'Aïd Kibir, je vais trouver personne. Donc là, il est actuellement 14h18. On a bientôt fini le ménage et après on va descendre manger. En tout cas, on est super bien arrivé. On est arrivé, je crois, il était 2h du matin. Et voilà, on a mangé vite fait. Après, je suis tombée KO technique. Donc voilà, je termine mon ménage. Je vais me reposer aujourd'hui. Je vais vous monter ce vlog là. Et puis je pense que je vais être de plus en plus présente sur YouTube cet été que Instagram. Donc voilà, je vous laisse activer la notification pour recevoir les nouvelles vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ciao ciao.